Yo, salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo où je vais faire une review totalement objective de ce livre. C'est Djamila de Jean Mola. Un livre particulièrement intéressant, j'ai plutôt bien aimé. Avant, je souhaite à vous dire que si dans cette vidéo j'ai l'air un peu déterré, c'est parce que je viens de me taper littéralement 2 heures de sommeil avec 7 heures de vol à la suite. Donc, ouais, je reviens de vacances. Ouais, t'as capté. Alors, Djamila de Jean Mola, c'est basiquement un livre sur la vie qui se passe dans le 9-3, ou Charleroi, si vous voyez pas trop c'est quoi le 9-3, avec une fille qui s'appelle Djamila. Et c'est intéressant, c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, parce que contrairement à beaucoup d'autres livres où c'est chiant, ou voilà. Là, c'était vraiment le livre était, il baignait dans la violence, tu vois. C'était incroyable. La partie qui m'a vraiment le plus hypé, je te jure, je me sentais comme dans Endgame, c'était incroyable. C'était en gros un moment du livre. Attention, spoiler dans 3, 2, 1, bouge tes oreilles. Ok, en gros, un moment du livre, t'as Djamila qui se fait kidnapper. Et donc ils montent une team, comme une team d'Albanais, sauf que c'est pas des Albanais, c'est des Rebeux. Et ils vont péter la gueule aux gens qui ont violé Djamila. Encore. Et c'était en ce moment-là qui m'a vraiment super méga hypé. Sinon, le reste du livre, c'est sympa. On voit le cliché typique du gros coq, tu vois, la belle coq. Allez, comment expliquer ça? Genre, tu vois, le mec tout mince qui fait de la guitare et qui est un peu efféminé. Voilà, genre, il donne des coups de poing comme. Comme ça, ouais, c'est ça le personnage principal. Mais à part ça, c'était marrant, parce que j'avais l'impression que, effectivement, le rap m'a appris beaucoup de trucs. Le rap FR m'a appris beaucoup de trucs que dans ce livre je comprends. Donc, incroyable. Mais l'ambiance générale est incroyable. Donc, si vous voulez lire ce livre, Djamila de Jean Mola, il est cool, franchement, je vous conseille. 220 pages, il est sympa, bon, même si je suis sûr que vous n'avez jamais l'acheté, à moins que ceux dans ma classe qui l'ont déjà lu, mais tranquille. Très bon livre, simplement très bon livre. Si Jean Mala voit cette vidéo, dédicace à toi frérot, très bon livre, t'as bien écrit, GG gros. Et voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, à plus les mecs, bye.